barre réaction Fitna d'Europe. Déjà, les gars, qui a écouté? Soyons honnêtes, les gars. Moi, j'ai un contre off, etc. Mais qui a écouté Fitna de Booba? D'Europe, pardon. Parce que ça, mon pote, je te le dis, le dernier son que j'ai écouté de Rof, c'était... Attends, c'était dans quoi son album? Putain, c'était une cover blanche. C'était pas... Attends, Rof, il a sorti quoi comme album, ce fou? Je sais plus, c'était quoi? Merde, c'était il y a 2 ans, je crois. Attends, Fitna... Masterclass, putain. C'est quoi, Masterclass? Oh. Ah, c'est Grand Monsieur que j'avais écouté. Voilà, le dernier album de Rof que j'ai écouté, c'est Grand Monsieur, les mecs. Atroce. Et je vous le dis, il y a un son que je trouvais pas nul, et c'était celui avec Jul en plus. Vraiment, je le trouvais pas si naze. Je le trouvais pas si horrible, ça. Classic Man, hein, vraiment, les gars. Hein. Putain. Allez, vas-y, lance-moi ça, B2O, s'il te plaît. Déjà, moi, je suis pas youtubeur, mais je fais ce que je peux. Alors, on va faire... Alors, une première pour moi, vu qu'il se plaignait qu'on parlait pas de son album Fitna, je vais moi-même faire la réaction à l'écoute de l'album Fitna. mais moi Booba, les gars, je suis désolé, mais c'est un des mecs qui me fait... En fait, quand il décide d'être con et d'être dans sa période de troller, les gars, il n'y a pas meilleur troller que Booba. Genre, vraiment. Déjà, la cover de l'album, elle est atroce, horrible, mais genre, vraiment, mais... Les gars, vous ouvrez Photoshop, vous faites un truc meilleur. Genre, vraiment, pour de vrai. Mais en fait, c'est Grof, il est bloqué dans un genjutsu, mon pote. C'est un enfer. Et ce qui m'énerve avec Grof, c'est que le mec, il a un talent de ouf, mais il y a personne pour l'aider. Et ça, il est trop mal entouré. Ça m'agace. Je crois que je connais 3-4 titres qu'on tournait. Mon petit Hosni, c'est l'heure de la réaction. Fitna, Rof, 17 morceaux. Ah oh, putain. Il n'y a même pas le timing. Tellement le mec il est... Ok, bref, let's go. Premier son, guerrier. Jusqu'ici, ça va, l'instru, correct. Va là-bas. Attends, faut que j'écoute le... Moi aussi, faut que j'écoute le son en bonne qualité, parce que... C'est un truc. Bon, j'essaie d'être objectif. Hein. Pas du instru, tout. Allez, 12 sur 20. Refrain, 8 sur 20. Va là-bas, va là-bas. C'est pas foulé, le frérot du 9-4. Vas-y, next. Ah ouais, par contre, il a vraiment pas écouté le son, quoi. Genre, il a juste écouté ça, il a dit bon. Leader. Il est encore dans les trompettes. Je vais dans la démesure, comme le Dubai Moon. J'ai traversé le désert, le troll. Bon. Il traverse, là j'ai un problème, il traverse le désert à la nage. Donc un gars qui nage dans le sable, déjà, c'est sombre. Bref. Tu peux me trouver à la pompe. Le consomme. T'inquiète, on n'est pas des bubés. Après bon, il n'y a pas que lui qui a des paroles illogiques en soi. Gamos consomme. On demande à voir. Gamos. Gamos consomme. On demande à voir. Quel connard. C'est bien drôle, ça. Jamais vu un gamos depuis très longtemps. À part le gamos que tu t'es fait racketter par tu sais qui. Le Porsche Cayenne. On parle des nerfs. En fait, c'est ça le problème de Booba, c'est qu'il est... En fait, c'est qu'il est trop drôle. Genre, vraiment... C'est ça. Souffert, si je réponds, je l'entends... Du crétin, comme une recharge et ses fers. Back in the day. Le Porsche Cayenne.
Ah ? Non, là, je suis au tout début, là. Là, je suis au tout début. Si je réponds, je leur donne du crédit, tu réponds beaucoup, frérot. Bon, celui-là, comme le premier, instruit un peu à l'ancienne, c'est pas horrible, mais bon, on est loin de 2024. Troisième. Légitime. Légitime. Avec le Raluciano et Lino, putain, comment ils datent les anciens. Et je l'ai énorme respect, hein. Putain, mais waouh, ça fait longtemps que je les ai pas vus. Featuring Lino, le Raluciano. C'est pour les hommes droits, les têtes brûlées qui te brûlent. Les frappes du cac, légitime. Légitime, dégage tes pas. Légitime, lui et le bel. Légitime, dégage tes pas. C'est années 2000. Aïe. Moi j'aime pas l'instru par contre, je sais pas ce que vous en pensez. Je suis pas fan. Bon, le Raluciano déjà il t'a éteint déjà. Le son il est pas nul hein, je sais pas ce que vous en pensez. Même si dit que l'instru c'est pas ma cam. Le Raluciano, on reconnaît son écriture. Il est bon, il est bon. Refrain pas lourd. Moi Lino je sais qu'il est trop fort et tout, mais. Je sais pas, jamais été non plus le fan numéro 1. T'as été aussi en 4 mesures, hein, pareil, c'est Lino. Si je tire sur un flic, à combien s'élève la cagnoche? Loco, 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 c'est la coca connaît le con. Oh mon dieu, putain. T'es tuba, frère. Loco, 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 t'es tuba. T'es tuba. Sourire, il est communicatif. Oh, légitime, comme oh, loco, 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 c'est la coca connaît ouais. Le con. Ah, t'es tuba, frère. Loco, 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 t'es tuba, frère. Quatrième. T'es tuba, frère. Oh, t'es tuba. Mais j'ai l'impression que tous ces refrains, c'est les mêmes à Rof. C'est ça qui est horrible aussi. Il n'y a pas de diversité, il n'y a rien. On s'est toujours pas de certif, frérot. Et tu l'étais, hein, zéro défaite. On est en 2024. Des certifs. T'avais des certifs. À l'époque du franc, mon gars. C'est. Non, c'est. Du franc. Ça fait longtemps. Mais c'est quoi là? Attends, certification. Rof. Surnaturel de Rof des certifiés disques d'or, mais ça date surnaturel. Surnaturel, mais on est loin là, non? Attends. Surnaturel Rof. Ah ouais, non, ça date trop. Oh, en 2018, atroce. Non, en vrai, il a été certifié la dernière fois. Ah, grand monsieur qui est disque d'or. Par contre, c'est vraiment disque d'or sur le fil, quoi. Mais putain, être disque d'or pour un mec comme Rof, c'est honteux, frère. Enfin, là, il devrait être plus. Son dernier disque de platine, il date de PDRG, mec. Oh, putain. Il a aucun single d'or, rien depuis je sais pas combien de temps. Putain, non. Son dernier single d'or, il date de 2001, mec. Mais c'est pas possible, en vrai. Non, ça fait... C'est grave, là. Hein. Compare avec Booba, Non, mais Booba, c'est... Bon, là, bon. Voilà, mais Booba, de toute façon, on le sait. Hein. Booba, c'est un truc de fou, frère. Bon, pareil, c'est pas horrible. Il rappe pour ses fans, ouais, mais j'ai l'impression que même ses fans, ils sont pas contents à Rof. Enfin, là, je sais pas s'il y a des fans de Rof dans le chat. Ah, bande de bâtards, on est que trois, mais est-ce que, franchement, sans déconner, vous êtes satisfait des sons que vous avez depuis déjà quelques années de la part de Rof? Je suis même pas si sûr que ça, frère. Mais bon, ça sonne vieux de ouf. Allez, next. Respect. Ouais, voilà. La TR, voilà. Tu me rof. Ah, on dirait aujourd'hui, c'est peut-être la dernière fois que je souris. Les plats, faut arrêter, frère. Dur, c'est dur, frère. Là, c'est dur. 6. À ma juste valeur. Lina Mayhem. Moi, attends, Lina Mayhem. Peut-être que je connais, mais peut-être que je suis fou aussi.
Lina Mayhem. C'est quoi son plus connu? Je connais pas, hein. Moi, je vous jure que je connais pas cette meuf. Jamais entendu parler de toute ma vie de... Remix 9 de... Non, mais parce qu'il y a eu un remix de 9 de Yveron. Attends, mec, je viens de l'apprendre, hein. Elle a remixé 9 de Yveron. Ah, mais elle a 1 million d'abonnés, mais... S'il vous plaît. Non, mais les deux commentaires, y'a rien qui va, sans déconner, là. Putain, merde. Et genre, il y a 8 ans, elle s'est pas fait éteindre pour ça. Je pensais que c'était un truc bizarre. Mais gros, c'est horrible. Enfin, ce que je viens d'entendre, pour moi, c'est horrible. Les vainqueurs l'écrivent, les vainqueurs racontent l'histoire. Personne dans le monde... Mais frère, comment il peut avoir 59 millions de vues sur cette merde, en vrai? Je vous jure que je suis choqué. Mais c'est un truc... Mais t'as mis un dislike? Bah bien sûr que j'ai... Franchement, attends, bah je vais même en mettre un deuxième. Tiens, on peut... Vaut mieux deux fois qu'une. Bon, allons, on en met un deuxième. Bah parce que sachant que 9 de Yveron est un classique, là, elle a chié sur la musique. Bombe nucléaire sur le game, il ne restera que moi, elle est rare. Mais genre, il y avait des mecs dans le chat qui étaient choqués que je connaisse pas ça, mais heureusement que je connaissais pas cette merde, surtout. C'est plutôt ça, en fait, le truc. Ça tournait de fou à l'époque, mais putain. Ça sonne vieux, mais bon, elle chante pas trop mal. Après, elle parle de mec bien, mais... Nadia, tu l'as frappée enceinte. Hein. Et les autres, hein. Je la connais. Hein. On sait, frère. Hein. On sait. On connaît. Ah non, allez. Allez, hop. Attends, mais qui a frappé Nadia enceinte? Il parle de qui? De Rof ou de la gonzesse, là? Et c'est 8 mesures, frérot, ça va. Elle fait dodo, du corps, les bimbo, à 4 du mois. Oh non, ça c'est du bon. Oh non, non. Non, ça c'est tuba, ça. Non, c'est atroce, là. Marcel. Ça fait mal, ça fait mal. Non. Ça fait mal, surtout quand tu les frappes. Et t'en as 3 ou 4 dans la nature, seul. Donc ça fait 3-4 mères seules juste à ton actif. Allez, next. Next. Et ils sont éclatés. Et le clip aussi, j'ai vu une partie du clip. Je vais essayer de rester objectif. Non, OG. Oh non, putain. Comment, vas-y, comment il a écrit, frère, putain. Non, c'est dur, hein. C'est dur, hein, c'est dur, l'instru. Mais en fait, Booba, ce qu'il devrait faire pour l'achever, il devrait sortir un album troll avec que des instrus goofy où il essaye de rapper dessus. Et qu'il fasse plus de ventes de Rof pour dire, regarde gros, même en sortant de la merde, je vends mieux que toi et plus que toi. Et là, il l'éteint, tu vois. Pas trop quoi dire là-dessus. Neuf. Que des instrus pourris. Loyauté. Attends, merde, c'est quoi ça? Instru, ça va. Ou avec des prods de Rof, tu vois. Mais le problème, c'est que les prods de Rof, elles sont... Franchement, c'est... En fait, c'est trop dur, là. Mais en fait, c'est qu'on dirait il est bloqué. Et franchement, moi j'ai un contre off et tout. Mais franchement, on dirait il est. Et de toute façon, c'est pas le premier album où c'est ce problème. On dirait il est bloqué depuis des années. Enfin, on dirait il est bloqué en 2002, frère. C'est horrible. C'est horrible. Et on dirait qu'il fait rien. Il fait rien pour. Alors que les gens ils se plaignent de ça. Mais depuis Surnaturel, quoi, même depuis avant. Il faut que dire, ouais, gros, en vrai, c'est... Ton rap, il est vieux, quoi. Genre, il sent mauvais. Genre, fais un truc. 10. Fraude. Bon, celui-là... Ouais, je l'ai déjà écouté, bon. Comme ton nom l'indique, mec, honte. Mes flammes. Ils sont frères que devant les caméras, ils partent. Mes flammes, je vois qu'elles sont pitié.
Ouais, c'est un peu comme tout le reste, c'est du... Ça sonne vieux, c'est du 11 sur 20. C'est pas mauvais, mais... Tu stream pas, ça. Il n'y a pas de... Tu dis rien, c'est... T'as raison, ça fait... mais ça fait quoi qu'il fasse ce qu'il aime, c'est pas fou, mais vas-y. Tant qu'il continue de faire ce qu'il kiffe, tant mieux pour lui. Ouais, mais le problème, c'est que c'est un artiste, tu vois. Il fait ce qu'il aime, certes, mais il rappe aussi pour ses fans. Et si ses fans, ils suivent pas et ils kiffent pas, bon, bah, frère, juste fais de la musique chez toi et la diffuse pas, ta musique, tu vois ce que je veux dire. Parce que là, c'est compliqué. S'il commence à décevoir ses fans qui pourtant aiment sa musique de base, alors ok, pense un peu à ta gueule, mais ne pense pas trop non plus, tu vois. Mieux. Non, c'est un feat Big Ali là, non, pour de vrai. Pourquoi tu rigoles? Non, c'est une dinguerie de faire un feat avec Big Ali, putain, c'est un truc de ouf. Non, 2024. Ah non, ouais, c'est dur. Hein. Non, les gars, je sais que Ruff il aime la musique et tout, mais tu vas pas me faire croire que là, faire un feat avec Big Ali en 2024, c'est genre en mode, c'est en accord avec sa musique, quoi. Genre en mode, c'est vraiment ce qu'il kiffe faire. C'est un truc de fou. Là, c'est une dinguerie de l'avoir sorti en premier avec un clip, déjà. Non, c'est atroce. Très, très compliqué, celui-là, frère. Oh. Non, celui-là, il est compliqué de ouf. Mais attends, non, celui-là, faut l'écouter en entier, mec. C'est pas possible. En vrai, attends, Ruff Big Ali, mais il a clippé et tout. Mais vous savez qu'inviter Big Ali en 2024, les gars, je sais pas, pour donner un ordre d'idée, c'est comme si t'invitais Sheriff Aluna. Enfin, non, là, j'abuse, mais je sais pas. C'est comme si tu faisais un feat avec PZK, quoi. Genre, c'est vraiment horrible. C'est horrible. Ouais, avec Michael Vendetta, j'en sais rien, moi. Un comparatif avec le foot. Il y a même pas... Enfin, c'est quoi un comparatif avec le foot, frère? En fait, Big Ali, ouais, c'est l'équivalent de Vicage... Enfin, Vicage Dorasso, je sais pas comment expliquer, ou... Ah, on parle vraiment d'un joueur en mode Sébastien Schillaci, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment sa date de ouf. Ah, c'est déjà, en vrai, je vous jure, c'est terrible. Putain, mais il a sorti le code de l'honneur, mais fou, mais... Apparemment, par contre, le concert de Ruff à Bercy était exceptionnel, tout le monde le dit. Mais là... Là, en vrai, c'est regrettable, tu vois. Ruff, il a percé juste à... Parce qu'à son époque, il y avait trois rappeurs. Non, Ruff a percé parce qu'il était fort. Pas non plus qu'on aille trop loin dans les propos. Ah non, mais c'est... Venez là, venez, venez là. Les hommes font les hommes, les femmes font les hommes font les femmes. Ils n'ont pas de vie, font que tweeter, que ça affiger, la zip, être les rends fous. Mais un fan de Ruff, il doit péter un... Franchement, il doit péter les plombs, quoi, quand il voit ça. Moi, je trouve ça terrible, hein. Mais Booba, c'est quoi le dernier son de Booba? Frère, Booba, t'as Dolce... Franchement, je suis désolé, mais quand tu compares Ruff feat Big Ali, et dans la même période, tu compares Booba feat SDM Dolce Gabbana... Dolce Camara, pardon. Enfin, c'est... Franchement, ils font même pas le même style de musique. C'est complètement différent. Même quand tu vois le clip de 6G, ouais, c'est pas du tout pareil. Putain, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, mec. Putain, c'est pas possible. Enfin, tu te dis, mec, là, il y a une sphère de différence qui est monumentale. Le clip de 6G... Oh, attends, c'est pas mal, cette vidéo. Là, c'est complètement différent, mec. Le Pori Hess, Big Ali. Dur. Chicoté la New Jersey. Chicoté, ah, tu fais de la Jersey. Ah ouais. Booba a ramené Econ, ouais, mais à l'époque, Econ, c'était vraiment quelqu'un. C'est ça la différence.
c'est que c'était vraiment un truc de fou, Econ à l'ancienne. C'est en vrai, même Big Ali à l'ancienne, c'était pas mal. Mais déjà, Econ, frère, le mec, il a des classiques, enfin, il a des classiques de fou et tout. Et Big Ali, bah, Fatal Bazooka, quoi. C'est pas aussi chaud que tu le crois. La durée sur Mars. Pour les mecs en froid. Le principe sont sans pitié. Ouais. On a cardio. Ça a fini. Le refrain, c'est la catastrophe. Mais putain, mais en fait, les refrains de Rof, en fait, ils répètent juste le titre de sa... Enfin, le titre de la chanson. C'est bon. Reste concentré. C'est pas mal, ça. Moi, j'aime pas. Et encore, ce son, je trouve que c'est le moins pire de ce qu'on a écouté depuis le début. Je sais pas c'est lequel. Le feat avec Chilpé, je crois. Enfin, le mec s'appelle Chilpé avec lui. Mais en vrai, il est... Attends, faut que j'y aille. Faut que je l'écoute, celui-là. Putain, mais c'est le moins écouté de son album. C'est vraiment que j'ai des goûts de merde, en fait. Alors que j'ai l'impression que c'est le moins nul. Mais franchement, je trouve que c'est le moins pire de ce qu'on a écouté. Comparé au truc avec Big Ali, par exemple, tu vois. Allez, 15. Le supplice est bientôt terminé. Quel connard. Je t'ai montré le chemin avant Waze. So many ways. Je t'ai montré le chemin avant Waze. Vas-y, frère. En vrai, là, je suis désolé, mais on peut pas le défendre. Hein. On peut pas, franchement. Là, Quel audace. T'as pas le chemin de l'assertif. Depuis l'époque du streaming, en tout cas. Non, c'est même pas bien. Même Waze, les victimes se vengent, tous mes tweets ou posts, Instagram, on est pas. Le roulement, là, les on rappelle, c'est pas possible, frère. Ça fait 15 ans, tu veux pas chez là. Ça, tu peux rap. Ça, tu peux... Jamais t'auras une certif avec ça. Dès qu'il y a un roulement comme ça, c'est annulatoire, frère. Sorti de la zone comme une plein, plein, plein. Pareil, c'est semi-tuba, mais frérot... Semi-tuba 16e. Stabilisé. C'est le stabilisé. Attends. Stabilisé. Chauveur. Le prochain, c'est 13 minutes. Il me faut chauveur. 13 minutes, il a fait son 13 minutes, ah ouais. Tu vas courir ? Oui, mate. Ouais, vas-y. Attends, mais chômeur, c'est qui, chômeur ? Chômeur, c'est moi en compagnie, chômeur, c'est 13 minutes. Ah, c'est son chien ? Et incroyable. N'écoute pas la caméra, chômeur. Ça va pas mal. Booba, sachant qu'il kiffe le piano, il doit kiffer, là. 13 minutes. 13 minutes, frère. Ah, il n'a plus de charme comme Hidalgo et ses trottinettes. Guette les rats, dévorer. Putain, t'as l'impression qu'il va être plus un classique de fou. Sa première punchline, c'est ça, frère, c'est dur. Hein. Et genre, vraiment que c'est dur. Paris n'a plus de charme comme Paris avec Hidalgo et ses trottinettes. Mais en vrai, on est censé dire... On est... Franchement. Là, vous allez me faire croire qu'il kiffe quand il écrit ça. En vrai de vrai, les gars, en vrai. Tout ce qui nous reste est de bien-être que des vieux et ses prophètes. À la rigueur. En 3 minutes, ça fait un petit outro. Mais c'est pareil, c'est du 10, 11 sur 20 max. Instru, flow. T'es enterré, tu peux toujours espérer voir ta famille prospérer. Dans malhonnêteté intellectuelle et télévisuellement perforant, leur bête de l'événement va fédérer. Je suis désolé, mais là il a donné. Efficace. Voilà. Fitna. C'est ma chronique. Je pensais que j'allais être plus... mais bon, c'est tellement... Ouais. C'est tellement fade, genre, même me moquer, j'ai du mal. Ouais, je pensais qu'il allait être plus tranchant, franchement. Allez. Salam. Ah, mais c'était atroce. Genre, vraiment, sans déconner, c'était horrible. Hein. Oh. Après, bon, vas-y, on a écouté l'album via Booba, donc pas très objectif, mais putain de merde. Quand même, c'est encore plus méchant de dire ça, mais ouais. Mais surtout que Rof... doucement. Mais surtout qu'il avait pas dit que c'était son dernier album. Je sais pas... Enfin, c'était pas Surnaturel qui était censé être son dernier album, déjà, ou Grand Monsieur. Donc là, déjà, il continue, tu vois. Donc bon, un peu relou. Mais putain, oh là là.
Compliqué, hein. Des fois, il y a des gens, ils veulent pas lâcher le steak, malheureusement. Ça arrive, hein. C'est comme ça, hein.